après l'enrôlement effectué dans une maison close... Qu'est-ce qu'il dit, ce con ? Non, mais il a vu ça où, lui ? Après un enroulement effectué dans une taverne, où l'on pratique le stupre et la luxure, Oui, eh ben, c'est pas mieux, hein. Le groupe formé de briques et de brocs et de bras cassés commençait sa randonnée acidulée. Allons-y, messieurs. Oui. Le regard perçant et la truffe au vent, Rondral prit donc fièrement les devants. Avant de se rappeler qu'être devant pouvait être dangereux. Zarakaï, cela t'ennuierait-il de bien vouloir ouvrir la marche parce que... Enfin, je trouve que... Ok, Mandal, j'ai compris. Tu préfères que le tank passe devant, hein? Ah, mais non, mais pas du tout, hein. Disons que je ne voudrais pas te cacher la vue. Bon, Rondral. Oui? Quel est l'itinéraire? Eh bien, tout est sur mon parchemin magique. Bon, alors tout d'abord, nous devons traverser la forêt des éventrés. Avant de découvrir le fleuve des glaires tièdes. Puis, nous explorerons la grotte de l'herpès écorché. Nous marcherons sur la colline des mille gangrènes. Nous escaladerons avec fierté le mont Mucus. Et à son sommet, nous entrerons dans un souterrain dénommé le gouffre de... C'est marrant, ce nom. Appelé aussi le trou de la merdaille. Mais qu'est-ce donc que tous ces noms? Si nous étions en terre chaotique, je comprendrais ces appellations. Mais là... c'est étrange. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être des appellations elfiques. Non. Ça donne pas envie de rigoler. Il y en a un qui ne sera pas dépaysé par un périple aussi écœurant. Dit Tenoriel, en posant son regard méprisant et hautain sur Zarakaï. Un barde peut-il encore chanter avec un bout de tête en moins? En tout cas, mieux qu'un nain qui aurait son garde-manger coincé dans sa barbe. Ah oui? Et ouais. Si tu souhaites chanter, je peux t'accompagner avec mon marteau. C'est ton instrument de musique, c'est ça? Et ouais. Ah ouais. Avec lui, quand je tape sur une cloche, ça sonne le glas de la connerie. Je doute que tes facultés de résonance puissent suffire à éradiquer celle-ci. Ah ouais? Et ouais. Ta résonance à toi, j'ai bien envie de la tester, hein. Je vais te faire monter dans les octaves à grands coups de marteau. On voit bien, pauvre nain, que tu n'y connais rien. Ah ouais? Et oui. En tant qu'instrumentiste, tu n'as pas d'avenir. Je suis sûr que la danse pourrait te convenir. Ah ouais? Et ouais. Tu connais la dance? Qu'est-ce que c'est cette connerie encore? Mais je danse. Je danse contre mon gré, là. Zarakaï, bouge-toi, le grouillon, il danse à fond, à tempêter. Stop, t'as bouffé la gueule. Le temps du badinage n'est plus. Veuillez cesser incessamment vos sottises insensées. Wow, quelle belle allitération en S, Zirman. Merci. Ça, mon petit, c'est 2 ans d'école de magie pour apprendre à bien prononcer les S. Ah oui. Eh oui. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? S-16, chaise sèche ou 16, sèche, chaise. C'est en sécher sagement, ce sensé chasseur... Mais Kundoskunds, vous allez les arrêter, vos elfories, là. Il est l'heure de partir. 2 heures après, à l'orée de la forêt des éventrés... Entrons dans les bois. C'est une forêt bien sombre. C'est quoi ce bruit? Une grenouille. Ou alors, c'est une poule, mais qui est bien malade quand même. Et ça, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un petit pinson qui nous indique par sa chanson « Dégagez intrus ou je vous fiente dessus ». Quoi? Ah oui, bravo, c'est l'exacte traduction en plus. Je viens de faire un 0-1 en zoologie. Bonus XP. C'est la classe, quoi. Stop! Vous entendez? Oui. Mais c'est quoi? Oh, mais ce n'est qu'un ilobate agilis. Quoi? Non mais, t'es jamais sorti de ta cambrousse, toi, hein? Chez moi, dans les terres chaotiques, y a pas trop de bestioles, en fait. Quoi? C'est quoi cette blague? C'est une dépaisante plaisanterie, j'espère. On s'est fait enrôler par un type qui vient des terres chaotiques. Non, c'était une boutade, voyons. Je m'apprêtais à te dépioter la rougnague à grands coups de marteau. Et moi qui ai failli t'allumer comme une vulgaire torche. Et un coup de lame castrateur est si vite arrivé. Putain. Stop, écoutez. Eh ben quoi? Chut, quoi? Cachons-nous. Mais... Cachons-nous. Et enfin, Enoriel. Quoi? Tu as chanté, mon beau paladin, illumine mon chemin. Oui. Ce chant n'est-il pas censé nous protéger de toute mauvaise rencontre? Oui, à condition de le chanter toutes les 2 heures. Et alors? Ça fait un peu plus de 2 heures et... Je l'ai pas chanté. Quoi? Ah, mais c'est trop naze. Pour une fois qu'un elfe pouvait être utile, eh ben non. Quelle mauvaise foi. Avoue qu'il y a du laisser-aller, Enoriel. Oh, ça va.
En plus, j'aime pas le chanter, ce truc. Bah, pourquoi ? Bah, pas de rencontre, pas de poids d'XP, pas de machin à piller. Ah, pas faux. Et je crois avoir entendu. Un appel au secours, peut-être. Oh, je parle à la rescousse ! Mais Tata Yo-Yo ! Mais il est frappé, ce nain ! Ça, c'est clair. D'habitude, on crie Tayo, Tayo pour charger. Il me semble, en effet. Pauvre nain, mais quel pauvre nain. Oui, bon, ça, à la rigueur. Hein. Mais pourquoi fonce-t-il aveuglément vers un danger qu'il n'a pas pu estimer ? C'est notre méthode. Quoi ? J'y vais aussi. Non, Zir ! Par Zaman Rouge. Non, mais. Ça va chauffer. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à foncer comme ça, là ? Les fées ras-le-bol, peut-être ? Déjà ? Non, mais bon, va falloir qu'on les suive. Quoi ? C'est pas de gaieté de cœur, mais. Ah non, moi, je reste là. T'as raison. Comme ça, Zir, Zara et moi, on aura plus de points d'XP à se partager après le combat. Ouais, non, mais c'est vrai, bon, d'accord, mais je suis qu'un niveau 1, moi. Oh, zoom, allez, zoom. Ok, bordel, je viens. Par le son de ma harpe et le fil de mon épée. Yaha ! Eh, mais attendez-moi, mais je... Merde ! Là, dans une clairière, un petit personnage terrifié est entouré par 15 orques, sales, écœurants, visqueux, répugnants... Eh ben, des orques, quoi. Ah ben oui, effectivement. Le mot orque, ça suffit à lui-même. Comme, oh non ? Quoi ? Ah, au secours, au secours, à l'aide, à l'aide ! Et une féroce bataille s'engagea. Aidez-moi ! Je m'occupe de ces trois-là ! Je m'occupe de ces cinq à droite. Prends ça ! Et ça ! Vous allez déguster ! Oh, que votre venue soit bénie ! Salamandre la magie de la ville d'eau ! Salamandre de feu ! Attaquez ces orques ! Cinq de moi. Hélicoptère de cul, va cagao. Quelle efficacité. Rango, bête de... Ah, bravo. 112 mètres. Nous avons le bien, les orques. Surtout sans la peine. Petit. Oh, les brutes. Ah, celui-ci n'est pas tout à fait mort. Salut à toi. Je viens t'aider à crever. Il s'enfuit. Revenez, bande de crapules trouillardes. Eh ben, je ne pensais pas que combattre 15 orques serait aussi bruyant. Ben, le mec qui s'occupe des effets spéciaux a eu la main lourde, en fait. Ah, oui. Mais pas autant que vous, bande de bourrins. Ah là là. En tout cas, c'était un très bon échauffement. Voyons voir s'il n'y a pas quelques babioles à récupérer sur ces chairs mortes. Ah ouais, bonne idée, ça. Oh, merci. Vous m'avez sauvé d'un sombre trépas. Mais de rien. Merci. Ça te fera, voyons. 10 plus 3 plus 5 plus 2, j'arrondis 30 pièces de bronze par personne pour le sauvetage. Comment ? Oh, mais paye au moins le MNS pour le sauvetage. Le quoi ? Le MNS. Quoi qu'est-ce ? Maître nain sauveteur. Autrement dit, moi. Il plaisante. Oh, mais non. Ah bah bon, alors... Il n'y a rien sur les cadavres. C'est à désespérer. Ah, salut toi. Salut. Comment t'appelles-tu ? Eh bien, je l'ai, ce narrateur, le soin de m'introduire. Auprès de vous. Tu peux te gratter. Ah bah bon, alors... Eh bien, je me nomme Trichelieu. Ah oui. Et vu mon habit monacal, vous aurez compris que je suis un clair. Un voleur. Un violeur. Un pilleur. Mais ça, il préfère ne pas s'en vanter. Mais il va des rétros, c'est absolument faux. Je suis un humble clair au service du culte de Travia. Travia ? Oui. C'est quoi ça ? Un peu de respect pour ma déesse vénérée. C'est une déesse ? Mais oui, enfin. Ah, et quel est son domaine de prédilection ? Le foyer. Quoi ? Le foyer ? Oui. Tu veux dire le feu ? Non. Mais on a déjà Zéhir pour tout cramer. Je ne crois pas que. Et oh, deux types qui crament tout dans un même groupe. Ça fait un peu crameur contre crameur, ça. Oui, c'est ça. Et je sais pas pourquoi j'en rigole. Moi non plus. Mais non, du foyer comme un foyer, voyons. Eh ben quoi ? Le foyer, la famille, la femme, le mari. Ce que doit faire la femme à son mari, à faire avec son mari. Quoi ? C'est le culte de Travia, bande d'incultes. Les tâches ménagères accomplies avec dévotion, les règles respectant le repos du guerrier et le repas du guerrier. C'est complètement con comme culte, ça. Mais c'est un culte très vénérable. Oh non, mais c'est ridicule. Quoi ? Je ne vois pas en quoi tu pourrais te rendre utile. Mais je ne vous permets pas, je suis tout à fait valable. Vraiment ? Ben oui, enfin, sûrement. Bon, ok. Alors, saurais-tu soigner nos mots ? Qui est-ce ? Comment ça, qui est-ce ? Eh bien, qui est nos mots ? Attends. Nos mots, ce n'est pas un nom. Je me doute bien, ce doit être un pseudo. Mais non. Tendancieux, qui plus est, hein ? Nos mots, c'est nos bobos, quoi. Ah, il a un autre surnom. Mais non, bordel ! Bordel ?
Oh, c'est dur à porter. Moi, j'avais un ami qu'on appelait quoi. Un mal, des mots comme. Je vois pas là. Un aïe, des os. C'est une histoire d'eau. Non, mots. Oui. Comme des blessures, fêlures, brisures, brûlures, des trucs que tu vas subir si tu ne comprends rien. Ah, bien sûr, puisque je suis un clerc, je soigne tous les maux. Ah, oui. Il a compris. Ah bon? Oui, saurais-tu nous bénir avant un combat? Mais oui, même après, si vous le souhaitez. Et bénir nos ennemis à coups de masse, tu sais faire? Oh oui, à coups de matrique, de matraque, si besoin. Et masser mes orteils après un combat? Rêve. Et écrire, lire et parler plusieurs langues? Oui, Ok, c'est bon. Alors, tu es libre pour une quête? Oui. Bah alors, tu rappliques. Ok. Mais t'es malade. Bah quoi? On ne sait rien de ce type et tu l'embauches comme ça au débeauté. Mais non. Sans vérifier ses antécédents et sans visite chez un veto assermenté. Bah... T'es fou. Mais je suis un spécialiste des kites. Je vois, lorsque j'officiais dans mon temple, j'avais la corbeille la plus garnie. Quoi? Rondral, tu es sûr de vouloir enrôler ce truc? Bah... Il fallait bien reprendre dans le groupe l'esprit de la barbare morte précédemment, mais réincarné en Richelieu. Ah ouais. Ah ouais. Comment ça? Ah ouais. Mais si, voyons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de réincarnation à la con? Chute. Quoi chute? C'est quoi cette campafouillade encore? Gertrude, Richelieu. Hein? Oui, alors, Richelieu, Gertrude... Quoi? Ils couchaient ensemble? Mais non! Ah bon? Mais suis un peu... Mais j'essaye, mais je lis pas voici, moi, hein. Gertrude, alias Richelieu. Alias... allons bon? Ça y est, il a compris? Eh ben, c'est nouveau, ça. Qui? Elle en a perdu du volume, la barbare. Non, mais de quoi parlez-vous? Et remarque, avec toute la barbaque qu'avait bouffé l'ours, chut, restait plus grand chose pour faire autre chose que ça. C'est de l'humour nanique. Non, on dit nanesque. Oui, tiens, ça sonne moins bien pourtant. Bon, en route pour notre quête. Mais au fait, c'est quoi la quête? C'est une quête, hein. C'est une quête. Il y aura sans doute un voyage initiatique. C'est un cheminement vers un but, hein. Et le but de cette quête? Il y a un souterrain. Ah oui. Il nous faut donc l'explorer. Ah ben bon? À la première écoute, ça m'avait déjà semblé un peu léger, mais bon. Quel est le nom de la quête? C'est pas le nom qui est important. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de nom. Si, la quête sans nom. Quoi? Ça sonne bien, non? Bah non, mais bon, allons, fonçons. Allons-y, messieurs. Après avoir enrôlé de façon très roleplay, ah oui, vraiment, ce nouveau personnage, dénommé Richelieu... Je suis un clair. Les aventuriers prirent la direction du fleuve des clairs tièdes. Le quoi?